Wesh 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 les viewers, bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube, c'est Sois Cool au Mike et aujourd'hui je vais vous présenter un petit tuto pour comment installer la mise à jour de Pokémon Go sur votre émulateur, donc soit BlueStacks ou soit Nox. Donc là moi je vais vous le montrer sur BlueStacks, mais c'est exactement la même chose sur Nox. Le truc c'est que Nox ça prend beaucoup plus de gigas de RAM et j'ai un petit PC donc je préfère le faire sur BlueStacks pour que ça lag moins. Donc voilà. Alors vous connectez et quand vous allez vous connecter, ils vont vous marquer ça. Une nouvelle version de Pokémon Go est disponible. Veux-tu faire la mise à jour? Donc tu fais OK, faire la mise à jour pour continuer. Donc OK, voilà, c'est parti. Donc là, ils vous dirigent vers le Play Store, enfin pour acheter Pokémon, enfin télécharger Pokémon. Et là, il vous dit votre appareil n'est pas compatible avec cette version. Donc tout simplement, vous allez dans APK. Vous allez dans le dossier que je vous mettrai dans la description. Voilà, c'est la mise à jour. Vous cliquez deux fois dessus. Hop, et voilà. Normalement, l'APK va s'installer, la mise à jour va se faire et tout sera nickel. Donc je vais tout vous mettre dans la description. Si vous avez un problème, n'hésitez pas à marquer dans les commentaires, je vais faire délai. Sur Nox, c'est exactement la même chose. Il y a un petit rond marqué APK dessus, sauf que là, ici, vous le voyez, c'est à gauche de l'émulateur. Sur Nox, c'est à droite. Donc voilà, tout simplement. Donc là, l'installation de la mise à jour. Faut attendre. Voilà. Voilà, Pokémon Go has been updated. Ça veut dire Pokémon Go a bien été mis à jour. Donc là, on lance Pokémon pour voir si ça fonctionne bien. Ouais, donc moi je vais vite ouvrir Lucky Patcher parce que faut que je fasse ma géolocalisation, sinon ils vont me bannir. Enfin, pas spécialement parce que quand je me connecte avec BlueStacks, si vous faites pas votre géolocalisation, ben vous êtes dans la merde. Donc ça va, ils vous bannissent pas. Mais si vous êtes sur Nox, faites gaffe quoi. Parce que là. Il y a une géolocalisation par défaut donc à Sydney donc faites gaffe. Donc là bah, je vais me mettre là, dans ma ville. Et là je vais laisser le jeu se lancer. Enfin il se lance. Donc éviter les endroits dangereux quand tu joues à Pokémon Go. Ok, des nouveaux avertissements. Ça j'étais au courant parce que sur le téléphone, ils avaient déjà fait la mise à jour. Donc voilà, le jeu fonctionne bien, la mise à jour a bien fonctionné. Donc voilà, vous avez la preuve. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à bientôt. Et n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait comme d'hab. Ciao ciao les viewers, à la prochaine.